Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que nous allons passer de bons moments en présence du Seigneur. Avant de passer à la lecture de la parole, nous avons la requête de notre sœur Yvette. Lorsque une personne envoie une requête, elle est poussée à bout. Elle cherche ceux qui peuvent la soutenir dans la prière. Ainsi, nous nous en souviendrons lorsque nous allons prier. Maintenant, je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans Jean chapitre 9. Ces trois premiers versets. Nous lisons. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Maître, Mukalenga wachukunda, ou du moins Zabubi, Nani. Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Ou du moins Zabibi, Muntua umpofuani, Mbaletibenda, Badibamule lampofu. Jésus répondit. Qui est-ce qu'on a mené? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Boalukimbuenda, Anibabaletibenda, Badibenzampekatu. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Inclinons nos têtes. Sauveur, mais conduit partout, quoi désire davantage, douterai-je de sa grâce qui me guide dans la vie, bénitienne, réconfort divin, par la foi constante. Car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus les transforme en bien. Car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus les transforme en bien. Mon Sauveur me conduit partout, me console dans les tourments, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain des vies, même si parfois mes pas trébuchent et mon âme est assoiffée. Ni rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Ni rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Mon Sauveur me conduit partout, plénitude de son amour, un repos complet m'est promis à la maison de mon Père, revêtu d'immortalité. Mon esprit s'envolera et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout.
Amen. Tuji tukwela toa sekidilamu kalenga Yesu Kristo Nzambi wacha bushua Biku sangisha bokubanyila kujinda Wonsu kuturibendo wikala mutukuba bokutukumisha kabaka julo lwedi Tetu badibia tulipamanya nekumpala kweba Uji bionsu jiji mizede ampeka tuturumakala benza mushindu kampanda Anshi mushindu kansanga jidano kujuwe wako Tutangila mwishu mamashieba utukesula Wakutendelela kwetu kwa dilo lwedi kutamba kukulengelela. Kudi mwana yetu wabaka juhudi ni mulombu kabaka mfumu kachaya kujibaka. Lela ni lela wewa. Udi Nzambi wa mujulu mwine bujari kibutu ateleshi. Jali mingo itisha aledi mfumu. Mwana wa mula minata mulela anyima mfule itano. Kimu tudutuye kuji. Ni bualwebo anukudi mwana yetu wabaka juhudi ni yuku dibana betu wabaka jibaku wabu. Bari mwakala mulu taturu mwale mwale Nzambi wa mujulu. Olole chanzo chepe chabukola ubaheshe bana, bwalu banjije, bwabobo kutumbisha, bwalumu ni butumbi pia lukila kujuweo. Luwagu banga netu kutendelela kwetu fumu, ushikisha netu, beneche mwena mudimwebo wakula, beneche mwena netu wa muandamuna, tonu ujurombola masanshini ujumuandamuna, nitetu bina bateleja wikala netu fumu. Butumbi, lumu ni buneme pia lukila kuji, mujina liutu watu mvila, jamukalenga ni musu indi wetu Yesu Kristo. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Ni toi, on t'a mal vu, mais vous sentez pas beau et là-bas ensemble. Yeah.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait cet après-midi pour que nous soyons dans le sanctuaire devant un peuple racheté avec ce privilège de proclamer l'évangile. Nous avons besoin de lui comme celui qui est notre guide. Alors, disons-lui un mot de prière. Seigneur Dieu notre Père, comme nous venons de le confesser, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ce soit moi qui parle, mon interprète, même tout l'auditoire, mais avec toi, tout est possible.
C'est pourquoi nous nous recommandons à ta grâce et nous te prions de nous bénir du début à la fin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas perdre du temps, je voudrais d'abord d'ailleurs commencer par remercier tous les frères et les sœurs pour ce qu'ils ont fait le mercredi. Nous vous avons demandé de déplacer les blocs de notre parking jusqu'au chantier. Et nous avons été surpris, vraiment, ça a été un exploit terrible. Nous avons demandé aux jeunes frères de le faire. Mais nous étions surpris de voir même les vieilles personnes le faire. Merci. Non seulement ça, nous avons pensé épargner les sœurs, mais elles nous ont surpris. Nous avons eu même l'impression qu'elles, elles ont transporté plus nombreux blocs. Parce qu'elle plaçait même sur la tête deux blocs pour aller sur le chantier. Alors, quand notre pasteur a entendu, a appris cela, il a dit, en tout cas, remercier le tabernacle de Mbujimaï pour ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez vous acclamer très fort? Je comprends pourquoi le pasteur dit souvent « J'aime le tabernacle de Mbujimaï ». Acclamez-vous encore très fort. Et que le Seigneur soit loué. En tout cas, vous êtes un peuple merveilleux. Vraiment, que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Les enfants, même les vieillards, les hommes, comme les femmes, les garçons, comme les filles, tout le monde, que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'était merveilleux, nous étions surpris ce jour-là, agréablement. Ok. Bon, nous lisons la parole de Dieu, juste un verset, dans Jean 16, au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous asseoir. Nous sommes dans notre sujet partir sans guide. Aujourd'hui, nous sommes à une petite troisième partie. Comme le lundi, nous avons introduit et insisté surtout sur ce que le dimanche, excusez-moi, nous avons insisté surtout sur ce qu'un guide est.
Et dans le spirituel, le guide, c'est le Saint-Esprit. Et le mercredi, nous avons insisté sur la source de notre inspiration pour ce sujet. En montrant que si vous partez sans guide, vous allez vous égarer. C'est surtout ça sur lequel nous avons insisté. Et nous avons voulu montrer aussi comment, quand on est égaré, on est comme un fou, on se comporte d'une manière anormale. Et nous avons appliqué cela au spirituel. Et vous avez vu vous-même que vous avez entendu vous-même comment le gens se comporte quand ils partent sans guide. Mais aujourd'hui, je voudrais insister sur quelque chose. Pour dire au tabernacle de Mbujimayi que Dieu n'a jamais manqué d'envoyer un guide à son peuple dans tous les âges. Oui. Donc nous sommes censés, maintenant où nous vivons, parce que c'est un âge donné, avoir un guide envoyé de Dieu. Nous savons que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire au sujet de l'obscurité dans ces temps ici. Et la prudence que nous devions avoir pour que quand cette obscurité épaisse va s'installer vraiment sur la terre, que nous soyons avec les guides chacun de nous. Notez ceci. Nous avons reçu la lumière du soir qui est l'accomplissement des promesses pour ces jours. Promesse de Dieu. Oui. Selon Malachi 4, selon Luc 17:30, Zacharie 14:7 dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Nous vous avons lu dans Ésaïe 60, là où le prophète Ésaïe déclarait, je voudrais vous rappeler, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Et c'est une écriture que le frère Branham a exploité quand il parle de Shalom. Dans Ésaïe donc 61:2. Mais je voulais juste vous lire quelque chose dans Shalom pour vous fixer un peu sur les ténèbres qui sont sur la terre et la lumière, ce qui se passe, afin que nous soyons prudents.
Avant de revenir donc à notre sujet, écoutez ce qu'il dit au paragraphe 114. J'ai oublié de donner ça à la cabine au paragraphe. C'était un sermon du 12 janvier 64. Écoutez, les ténèbres se séparent d'avec la lumière. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu a toujours fait. Dieu fait cela. La lumière fait cela. Maintenant, tirez attention sur ce que la lumière fait. Quand la lumière apparaît, comme la lumière de l'évangile a apparu dans cet âge, cela fait pression sur les ténèbres. Dans le spirituel, les ténèbres se trouvent dans le monde et dans les dénominations. Dans les traditions de nos ancêtres, etc., etc. Et la lumière est venue aux élus, donc dans la véritable église. Et cette lumière fait pression sur les ténèbres. Et les ténèbres sont en train de reculer pour se condenser dans une sorte de réunion que le frère Branham qualifie de conseil des églises. C'est là où toutes les ténèbres vont. Voyez, ce sont les ténèbres qui approchent. Je continue la lecture. Voyez-vous, la lumière fait tellement pression que les ténèbres doivent se rassembler. Ils ont eu l'occasion de l'accepter, d'accepter la lumière, mais ils n'ont pas voulu le faire. Ainsi, cela s'est condensé. Elles font cela par le rassemblement des églises et le conseil des églises et en unissant cela avec les ténèbres païennes. Vous voyez, mes frères, c'est ce qui se fait aujourd'hui. À cause de la grande lumière que Dieu a envoyée sur la terre, alors qu'est-ce qui se fait? Les ténèbres qui se retrouvent dans toutes sortes de dénominations sont en train de se contenter tous dans une grande réunion, dans un grand rassemblement. Après un temps, ça sera maintenant les ténèbres qui feront pression contre la lumière. Oui. Et ça sera la pression de l'image de la bête qui cherchera à... Bon, je vous lis cela. Écoutez comment le frère Branham le dit. D'entourner le regard vers Jésus. Bon, du 22-12-63. À partir du paragraphe 45. Il viendra un temps dans cette nation. Donc aux États-Unis, où cette nation exercera le pouvoir que la bête avait eu avant elle. Matugwa
C'est-à-dire la Rome païenne, la bête là-dedans. Quand elle est devenue la Rome papale, vous voyez, cette nation le fera. Il dit, Apocalypse 13 l'explique clairement. Ok. Voyez, maintenant, après écouter ce qui va se passer, 47. Et puis, au bout de quelques temps, il a reçu le pouvoir et il parlait comme un dragon et il exerçait tout ce que le dragon, tous les pouvoirs que le dragon avait avant lui. Et le dragon, c'est Rome, toujours. Vous voyez, une dénomination protestante, une image de la bête, créer un pouvoir pour exercer une contrainte sur les protestants. Un genre d'union. Vous devrez faire partie de ce conseil des églises, sinon vous ne pourrez avoir la communion fraternelle. Donc il y aura donc cette contrainte, cette pression qui sera faite sur la lumière, sur l'épouse. Ce sont les grandes ténèbres au temps du soir qui sont en train de se préparer à couvrir cette terre. Et à ce moment-là, sans les guides, vous ne vous en sortirez pas. Le frère Branham dit que les portes de nos églises seront fermées. Au paragraphe 9, dans l'ordre de l'église, il le dit. Oui, au sermon du 26-12-63. Il répète cela dans allumer la lumière. 25 janvier 64. On va fermer les portes. Vous voyez, vous serez exclus de toutes les communions. On ne va pas vous accepter pour que vous vous rassemblez. Alors, au paragraphe 48 jusqu'au paragraphe 50, d'en tourner les regards. C'est là où il montre que quand cette pression commencera, regardez au troisième poule. Vous voyez, ce troisième poule qui concerne l'épouse. Et ça ne peut marcher correctement avec vous que si vous avez le guide en vous. Nous reviendrons là-dessus vers la fin de notre petite instruction ici. Pas aujourd'hui, même peut-être le dimanche prochain, quand nous terminons. Donc le dimanche, comme nous pensons terminer le dimanche. Alors vous voyez, dans cette situation, la soif du guide dans nos cœurs doit être une réalité.
Oui. Et je voudrais que vous reteniez aussi ceci. Mon frère, ce n'est pas bon de partir sans guide, dit William Branham. Oui, le frère Branham dit, ce n'est pas bon d'aller sans guide. Et je n'aimerais pas, mon frère ou ma soeur, que tu partes sans guide en disant seulement que j'ai cru le message. Parce que l'écriture que nous venons de lire, nous commençons à entrer dans notre point d'aujourd'hui, qui est Jean 16, verset 13, sur lequel nous insistons. Nous voyons comment le frère Branham l'interprète, l'explique. Avant que je ne vous le lise, écoutez ce qu'il dit de Jean 14, le verset sur lequel il insiste, qui se rallie à ce même chapitre 16 de Jean. Je prends Jean 14, verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Écoutez, nul ne vient au Père que par moi. Mes frères bien-aimés, Jésus se pointe comme étant le guide. Voyez, en son temps, il était le guide. En son temps, et il a été toujours le guide, mais sous plusieurs formes. Maintenant, écoutez comment le frère Branham commente ce verset-là de Jean 16-13, rattachant d'autres versets de la Bible. Maintenant, c'est au paragraphe 12, dans un guide. Maintenant, au verset 13, ici, mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est? La parole. Car il parlera. Il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il dira ce qu'il aura entendu. Autrement dit, il sera celui qui révélera la chose. Et dans Hébreux au chapitre 4, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Qu'elle discerne les pensées de l'esprit, du cœur. Voyez-vous, ce qu'il aura entendu
il le dira. Donc cet esprit de vérité là, donc quand il sera venu, et il vous annoncera les choses à venir. Voyez, qu'est-ce qui va faire ça? Le Saint-Esprit qui viendra au nom du Seigneur Jésus. C'est une prophétie où le Seigneur annonce la venue de l'Esprit qui nous conduira dans toute la vérité dans le futur. Ceci s'est accompli pleinement dans cet âge. Comme Dieu nous aidera à vous lire quelques écritures, quelques déclarations du prophète qui montrent cela. Vous voyez, c'était au début du christianisme quand Jésus disait cela. Mais le frère Branham fait une déclaration selon laquelle Dieu n'a jamais laissé un âge sans guide pour son peuple. Écoutez au paragraphe 30 de ce sermon. Sans oublier que Jésus lui a annoncé cela pour le temps à venir. Oui, pleinement dans ce temps d'avenir. Parce que nous savons que le Saint-Esprit était venu le jour de la Pentecôte. Et dans cet âge-là, il conduisait les croyants de cet âge-là. Alors, suivons un peu. Écoutez ce qu'il dit. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais manqué de le faire. C'est une vérité. Donc, si son peuple est quelque part, si nous sommes le peuple de Dieu, c'est que nous devons savoir que Dieu n'a jamais manqué d'envoyer à son peuple un guide. Il envoie un guide. Écoutez, l'exigence, ce qui vous est demandé en tant que peuple de Dieu, ce qu'il est demandé dans chaque âge à ce peuple de Dieu à qui Dieu envoie un guide, écoutez, bien, mais vous devez accepter ce guide. Acceptez ce guide-là. Mais vous devez accepter ce guide. Écoutez encore. Vous devez le croire. Le croire, ce guide-là. Voyez, il insiste. Il insiste. Vous devez le croire. Pas étonnant de voir aujourd'hui William Branham, l'ange qui vient à lui et lui dit: amène les gens à te croire. Pourquoi? Parce qu'il était un guide. Comme nous allons découvrir que tous les prophètes ont toujours été des guides. Vous devez le croire, le guide là. Vous devez prendre la direction qu'il vous dicte. Oui, pas ça, c'est pas ça. Pas
d'alcool, c'est pas d'alcool. Pas de jeu d'argent, c'est pas de jeu d'argent. Pas de football, pas de football. Pas de jupe courte, pas de jupe courte. Pas couper les cheveux des femmes, c'est pas couper les cheveux des femmes. Une femme ne doit pas porter les habits des hommes. Une femme ne porte pas les habits des hommes. C'est ça la direction qu'il dicte. Allez-y comme ça. Vous devez prendre la direction qu'il vous dicte. Dieu nous envoie un guide pour nous guider. Nous devons suivre ce guide. Je lis les parties importantes nous concernant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Peu importe ce que nous pensons. Oh non, c'est mon cousin, je peux l'embrasser. Mais le frère Branham ne le dit pas. Le guide ne le dit pas. Faites tout avec un appui de la parole. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semble raisonnable et ce qui semble ridicule, nous ne sommes pas à même d'en juger. Non, mon frère. Non, ma soeur. Donc nous croyons la parole et nous ne la jugeons pas. Nous l'appliquons tout simplement. Parce que c'est la direction que le guide montre. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul de juger. Au ciel, il lui a été dit, c'est toi qui seras jugé. Et si ces deux Paul entraient, les siens aussi entreront. Donc, vous voyez, mes frères, c'est comme ça avec les guides. Nous comprenons que Dieu, lui, ne manque jamais d'envoyer un guide. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, dans le tabernacle de Mbujimayi, tant que nous proclamons fidèlement le message de William Branham, les guides lui-même viendra confirmer que c'est la vérité. Parce que les guides, il a toujours confirmé le chemin. Il a toujours confirmé la vérité. Il a toujours confirmé la parole. Et si ce soir, ce que je proclame, c'est la parole, si c'est la parole de Dieu, et qu'il y a un problème qui se met au milieu entre qui se place, qui s'entrave à cette parole, et
Au nom de Jésus-Christ, cette chose va céder. Que ce soit le péché, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quoi, mais pourvu que tu croies. Amen. 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 Donc Dieu n'a jamais manqué de guide à envoyer à son peuple dans chaque âge. Voyez ce que le frère Branham dit de l'Ancien Testament au sujet de cette déclaration-là. Paragraphe 31. Dieu, dans l'Ancien Testament, il a envoyé des prophètes. C'était des guides. C'était des guides. Puisque la parole du Seigneur est venue au prophète. C'était des guides. Il donnait des directives aux gens. Comme le disions hier soir en parlant d'Ésaïe et d'Ozias. Il parlait de la prédication de la veille, hein, qu'il avait intitulé l'influence, je crois, d'un autre. Donc il parlait un peu de ces choses, de prophètes. Écoutez, ces prophètes-là, ils recevaient des directives. Et ils donnaient des directives aux gens. Donc ils ne parlaient pas d'eux-mêmes. Vous avez suivi même dans l'annonce ou dans la promesse de Jésus. Quand le guide viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il dira ce qu'il aura entendu. C'est comme ça que Dieu travaille. Un prophète envoyé au peuple, il ne vient pas avec ses paroles à lui. La parole vient au prophète. Alors il recevait les directives, les injonctions, les ordres de la part de Dieu. Et il donnait ces directives aux gens. Et il les guidait. Et donc, Dieu a toujours envoyé ses guides. Toujours. Il n'a jamais eu un temps où il n'a pas eu de guide. Moi je le crois. Parce que c'est le prophète qui le dit. Parce que c'est le guide. Il ne le dit pas de lui-même. Il dit tout au long des âges, Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur terre dans tous les âges. Oh là là, mon frère bien-aimé, une vérité à croire.
à croire tel qu'elle est dite. Parce que c'est très important. Ok, nous parlions du temps de Jésus. Nous avons lu ce que Jésus lui-même a dit dans Jean 16. Et c'est là que débute d'ailleurs le Nouveau Testament. Écoutez encore les commentaires que le frère Branham fait. Écoutez, paragraphe 32. Or, parfois les gens s'éloignent du guide. Il déraille. Voyez, quand Jésus était ici sur terre, vous vous souvenez, n'est-ce pas, que Jésus a dit aux pharisiens, vous, guide aveugle, des guides aveugles, aveugles aux choses spirituelles. Vous voyez? Ainsi donc, il est possible de trouver des faux guides qui ne sont pas les guides de Dieu. Des guides aveugles qui ne connaissent pas les choses spirituelles. Mais Jésus a dit, vous êtes aveugles. Et il a dit, laissez-les, car si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Vous avez besoin d'avoir un véritable guide pour vous éviter d'aller tomber dans la fosse. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Parce qu'il a envoyé un puissant prophète. Et par sa grâce, toi et moi, nous avons découvert que c'est le vrai guide. Le monde a été contaminé de cela, par cela, de faux guides. La conduite d'aveugle. Il ne veut pas que vous vous reposiez sur vos... Dieu ne veut pas que vous vous reposiez sur votre intelligence. Prenez vos pensées, prenez votre intelligence, mettez de côté. Quand vous écoutez les directives du guide, quand vous trouvez les ordres donnés par les guides, si c'est contraire à votre pensée, mettez votre pensée à côté. Dieu ne veut pas que vous vous reposiez sur votre intelligence. Mais même pas sur vos idées. Ni sur aucune idée d'homme. Vous voyez pourquoi frère Branham a toujours dit, nous n'avons qu'un seul livre, c'est la Bible. Et nous avons au-delà, au-dessus de la Bible, nous avons ce message qui est l'interprétation de la Bible pour nous. Parce que cette interprétation est venue de Dieu vers les prophètes. Ainsi donc, mon frère et ma soeur, nous comprenons bien que du temps de Jésus, on a trouvé des faux ou des conducteurs aveugles
Et Jésus les a pointés. Mais Jésus lui-même, il disait de lui-même, comme le frère Branham le répète au paragraphe 33, il est dit ici, Jésus a dit, je ne vous délaisserai pas, mais je prierai le Père et il vous enverra un consolateur. Et ce consolateur, quand il viendra, il nous guidera dans toute la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et la parole est Christ. Écoutez, ce que Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a même dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole qui était au commencement, la voici au milieu de vous. Et là habité parmi nous. Alors, si nous suivons le vrai, le véritable guide, qui est le Saint-Esprit, il devait nous dire ce qu'il a vu. Pas des choses de lui-même. Ce qu'il avait entendu, selon ce que Jésus a dit. Et il devait nous montrer les choses à venir. Mais frère bien-aimé, ici, William Branham, quand il prêche, lui étant prophète, si vous le lisez entre les lignes, comprenant que nous sommes au temps de la fin où cette prophétie a été annoncée, vous sentirez, vous verrez si vous êtes spirituel qu'il parle de lui-même. Oh mon frère, oh ma soeur, au travers de l'âge ou des âges de l'église, oui, le Saint-Esprit n'a pas manqué, le guide donc. Oh, mais le diable devait le combattre, l'antichrist devait le combattre. Parce que ça a toujours été comme ça. Mais revenons du temps où Jésus lui-même était sur la terre. Le frère Branham dit, Nicodème un jour est allé le voir, c'est dans Jean 3. Il avait soif de la vie éternelle. Il avait soif de la nouvelle naissance. Il avait besoin d'un guide qui pouvait le conduire à la nouvelle naissance. C'est pourquoi le frère Branham dit, même pour nous, nous avons besoin du guide pour nous conduire à la nouvelle naissance. Et si vous suivez l'entretien de Nicodème avec Jésus, vous verrez comment Nicodème parle en disant, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et le frère me dit, il reconnaît qu'il était le guide. Pas seulement un
un guide, mais un guide confirmé. Oui, Jésus était un guide confirmé. Oui, c'est le Père en lui qui faisait les œuvres. Il pouvait dire, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. Mais c'est le Père en moi qui fait ses œuvres. Autrement dit, mais c'est lui qui me guide. C'est lui qui me montre ce que je dois faire. Et moi, je vous l'ai dit. Oui, il me dit ce que je dois vous dire. Et moi, je vous le dis. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma soeur, notez très bien. Dieu ne change pas. Jésus était le guide de Dieu. Nicodème avait besoin d'un guide. C'est pourquoi il est allé à Jésus. Écoutez ce que le frère Branham en dit. J'ai lu juste l'essentiel. Paragraphe 40. Remarquez Nicodème. Il avait besoin d'un guide. Pourtant, il était intelligent. Un grand docteur d'environ 80 ans. Il était un pharisien. Oui. C'était un grand homme important. Un docteur d'Israël. C'est la Bible qui le prouve. Frère Bram dit, oui, il connaissait les lois. Mais pour naître de nouveau, il avait besoin d'un guide. Mon frère, ton intelligence met de côté. Tes idées mets de côté. Les traditions de chez nous mets ça de côté. Mettez tout de côté. Tes opinions, tes conceptions, ta manière de voir le modèle d'avis, mettez ça de côté. Il avait besoin d'un guide, il a dit. Maître, nous, voyez, nous, du tribunal de Sanhédrin, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu. Comment le savait-il? William Branham dit, il était confirmé, Jésus. Vous voyez, il voulait savoir ce qu'il en était de la nouvelle naissance. Et il est allé directement à celui qu'il fallait. Dieu, parce que Dieu avait confirmé que celui-ci était son guide. Oui, Jésus. Dieu confirma son guide. Dieu a toujours confirmé ses guides. Comme dans cet âge, il a confirmé le frère Branham. Mais frère, il l'a confirmé d'une manière extraordinaire. Au point que William Branham dit, les choses qu'il a faites dans mon ministère, les choses que le guide a fait dans mon ministère sont plus nombreuses, sont plus grandes que ce qu'il a fait dans son propre ministère quand il était sur la terre.
Nous avons reçu un prophète confirmé. Un guide confirmé. Nous avons reçu quelqu'un de confirmé. Oui. Paragraphe 41, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est ce que disait Jésus. Mais c'est mon Père qui demeure en moi. Vous voyez, autrement dit, Dieu lui montrait quoi faire. Et il allait tout simplement reproduire les gestes. Vous voyez, il était donc un guide confirmé. Oui, il était un guide confirmé. Le frère Branham insiste là-dessus. Et nous avons reçu un guide confirmé. Mon frère, même si on se moque de ce message par les gens, tenez ferme. Tenez ferme. Même si on se moque de toi, tiens ferme. Parce que c'est ça la vérité dans laquelle les guides devaient nous conduire. Le frère Branham dit, paragraphe 43 vers la fin, mais pour naître de nouveau, il avait besoin d'un guide. Nous aussi, nous en avons besoin. Oui, nous avions besoin d'un guide. Maintenant, suivez-moi bien. Je prends un autre cas, toujours du temps de Jésus, mais Jésus venait de partir. Avec Corneille. Dans Actes au chapitre 10, c'est le frère Branham qui prend cet exemple lui-même. Et si vous prenez Corneille, il était un grand homme, un homme très respectable, comme vous pouvez être aussi un homme très respectable, un grand homme venait au message. Écoutez, il baptisait des églises, il respectait même le peuple de Dieu, les Juifs. Le frère n'a pas celui qui est en train de dire ces choses, parce qu'il savait que leur religion était la bonne. Comme aujourd'hui, on trouve des gens qui, quand ils entendent, ils voient les choses du message, ils disent, en tout cas, ce sont les gens qui sont sérieux. Et il faisait de l'aumône, comme le dit la Bible. Et il priait tous les jours, très zélé dans la prière, au point même que vous qui êtes dans les messages, vous pouvez l'envier. Ah, cet homme-là, la manière qu'il prie, la manière qu'il se consacre, mais je l'envie alors qu'il n'est même pas dans les messages. Écoutez, Corneille était comme ça. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quelque chose qui était ajouté à l'église, ce message, c'est quelque chose que Dieu ajoute à l'église. Et quand Corneille a vu cela, il a eu besoin d'un guide. Parce que sans le guide, vous ne pouvez pas comprendre.
quelque chose de neuf que Dieu ajoute à l'église. Il a eu besoin d'un guide. Qu'est-ce que Dieu a fait? Écoutez, Dieu lui a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé dans la personne de Pierre. Alléluia. Alléluia. Vous voyez mes frères, vous pouvez voir un homme qui vient à vous. Il te parle, mais tu ne discernes pas que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Oh mon frère, nous devons être spirituels. Il y a des gens qui s'achoppent quand nous disons que le Saint-Esprit me parle au travers de William Branham. Mais ce n'était pas Pierre qui parlait. Pierre n'était pas d'accord d'aller chez Corneille. Il disait que c'était un païen. Mais le guide lui a dit, vas-y. Et il est allé. Et quand il est allé, et qu'il parlait, ce n'était pas Pierre. C'était le Saint-Esprit qui parlait à Corneille. Et si les paroles que je suis en train de répéter, ce sont les paroles du guide, ce n'est pas moi qui te parle, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Dieu a utilisé le guide à travers Pierre. Il l'a utilisé puisqu'il a guidé Corneille vers le bon chemin. Oh là là. Mon frère, le Dieu qui t'a conduit, ou la chose qui t'a conduit de venir au tabernacle de Mouchmaï, ça t'a conduit vers le bon chemin. Vers le bon chemin. Où tu peux avoir un bon mariage chrétien. Où tu peux être un citoyen respectable, où tu peux être un père respectable, une mère respectable, un véritable chrétien, et un jour aller au ciel. Ici, un bon endroit où le guide t'a envoyé. Je suis en train de terminer. Alors il a dit, quand il a vu qu'il parlait, il parlait chez Corneille, et que automatiquement le Saint-Esprit est descendu pour confirmer ce qu'il disait. Acte 10, verset 44. Le Saint-Esprit a rempli tout le monde chez Corneille. Le Saint-Esprit a confirmé que celui-ci c'est un guide. Alors Pierre a dit, peut-on refuser les dons de baptême aux gens qui se sont repentis comme nous au commencement? Qu'est-ce qui lui faisait dire ça?
C'est le guide qui parlait au travers de lui. Parce que nous savons tous bien. Le premier sermon de Pierre, c'était repentez-vous. Et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Le frère Branham dit, et vous recevrez le guide qui va vous guider tout au long du chemin. Je vais terminer par ceci. Écoutez mes frères, le guide a des qualités terribles. Il a des capacités terrible. Voyez, il est capable de vous prendre sous contrôle. Et un sorcier ne peut rien faire. Oui. Comme Pierre était sous contrôle. Écoutez comment je vais parler comme vantant le guide, notre guide. Ah, j'étais déjà. Écoutez, au paragraphe 36 de un guide. Oh, soyez spirituel. Saisissez ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Alors, nous y voilà. Un guide. Il est le guide auquel Dieu a pourvu. Or, nous traversons une région sauvage. Nous sommes en route vers quelque part, toi et moi. Peut-être vous ne comprenez pas. Mais quand nous voyons la COVID autour de nous, quand nous voyons toutes sortes de grippes et de maladies, et nous ne pouvons pas nous débrouiller sans ce guide. Écoutez ce que le frère Branham a dit. Dans la résurrection de la fille de Jaïris, les deux mars 54, paragraphe 5, autrefois je me débrouillais tout seul. Mais depuis que j'ai découvert en lui mon Père, eh bien, c'est lui qui agit pour moi. J'ai vu cela pendant mes 21 ans. D'expérience dans la prédication de l'évangile, tout travail du Seigneur qui est trop grand pour que je l'exécute, à quoi me sert-il d'essayer? Je le laisse simplement s'en occuper. Je le lui confie simplement. Il a promis de prendre soin de moi. Quand l'opposition surgit, je la lui confie simplement. En effet, il a dit qu'il s'occupera de moi. Et s'il ne peut pas le faire, je sais que c'est inutile pour nous d'essayer cela. Nous vivons en toute quiétude et nous allons de l'avant.
Il s'en occupe, il s'occupe, il s'en occupe bien. Ça ne sert à rien de se tracasser et de se mettre dans tous ses états à ce sujet. Eh bien, il va tout arranger. Quel que soit le problème que vous avez, tant que tu crois que le guide est avec nous, n'essayez pas. Que personne ne s'avise d'essayer de substituer un autre guide. Tu as déjà consulté ton pasteur, il te répond avec le message. Pourquoi consulter ton père qui ne connaît pas le message? Que personne ne s'avise d'essayer de substituer notre guide. Si vous le faites, celui-là vous sortira des rangs. C'est qui d'ici? Il connaît le chemin. Il connaît chaque pouce de chemin. Il connaît chaque pensée qu'il y a dans votre cœur. Il connaît tout le monde qui est ici. Il sait qui vous êtes. Il sait ce que vous avez fait. Il le sait. Et tout à votre sujet, il le sait. Il est le guide de Dieu. Le Saint-Esprit, et il vous révélera des choses. Il dira des choses qu'il aura entendues. Il peut répéter vos propres paroles. Dire ce que vous avez dit. Pendant que le prédicateur prêche, oh, c'est comme s'il était avec nous là-bas. Vous dire ce que vous avez été, ce que vous avez, ce que vous avez, où vous allez, un guide, le guide adéquat, il vous guidera dans toute la vérité. Un guide adéquat, convenable, qu'il faut. Nous avons le meilleur guide qu'il faut. Il sait que tu es en très faible. C'est pourquoi il envoie la consolation. Fortifier. Il sait que tu es venu affamé. Quand tu vas rentrer à la maison, tu trouveras à manger. Comment ça? Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il sait que tu as laissé les enfants malades. Et il va les guérir. Comment est-ce qu'il va faire? Par la parole que tu crois. Comme tu crois, qu'il te soit fait selon la foi que tu as. Vous voyez le guide que nous avons? J'aime ce guide-là. Est-ce que tu l'aimes toi aussi? Alors que Dieu te bénisse. Que chacun parle au Seigneur.
Que chacun parle au Seigneur. Mon frère, Dieu n'a jamais manqué de guide parmi son peuple. Et au milieu de nous, nous avons ce guide-là. Cette colonne de feu qui n'est pas partie avec William Branham. Cette colonne de feu qui se partage et qui vient vivre dans nos cœurs. Et il devient notre conducteur dans ce chemin sauvage que nous traversons. Dieu ne manque jamais de témoins. Il n'a jamais manqué de guide. Et nous avons ce guide avec nous. Oh, nous aimons ce guide-là. Le guide a de quoi? Oui, le guide qu'il faut. Le guide véritable. Il vous conduira dans toute la vérité. Et toute cette vérité-là, c'est la parole de Dieu. Dans ces temps ténébreux, où la lumière a chassé les ténèbres, et que les ténèbres se condensent dans une... dans un rassemblement pour après exercer la pression sur la lumière, sur l'épouse. À ce moment-là, regardez au troisième pôle. C'est toujours le guide qui va agir. Ce n'est pas vous qui agirez. C'est lui qui agira. C'est le guide qui agira. C'est le guide qui agira. Oh, merci pour le guide. Seigneur, merci pour le guide que tu as envoyé au milieu de nous. Les prophètes ont toujours été des guides. William Branham est un prophète. William Branham, mon prophète. Il a été un guide pour cet âge. Oh, et si vous croyez de tout votre cœur, et si vous suivez toutes les directives du guide, Dieu vous bénira.
Tu as sacré la Mukalena Yos Christo, où on s'en va du conjugé à Mujolo, où on s'en va au Mubang et au Mabéo. Tatou à Chandela, toi Jean de Chabouchoni, où on s'en va du Mouinenka, où tu dis Chabou, où j'ai un monde à Missoukayeto. Tu as sacré la Zambi à Lusa, Balouan Mouni Dijingaje, tu t'es bien, tu dis quoi que Dijingani, où il y a, où tu l'ombola. Merci Père. Beneshaku mwana mujumwe ba wako chenda mujumwe mu mahinga jemu beneshaku ewu vumu mukujumuna tatu bakukukwilanga na kwetu kuhanga na chishiki nye uti bakutwa ile bya tiku ni milambo ni makuta kabu kabu beneshaku mujumwe vu kumbalu ne kundekelu mujina ja mukalenga ni musungu Yesu Kristo amen. Les diacres, si après, appellent leur juridiction à les rencontrer après culte à leurs endroits habituels. Balami, benemena atela bu mabeu, badi babikila, ba mubitwa biabu, ba tulana koko, mumia ba yabu ya chibidilu. La juridiction Chema sera ensemble avec la juridiction Fernand. Bena mamulami Chema, ni batulana hamwe, ni bena mamulami Fernand. Diacre Marlin, diacre Georges, diacre Pierre Kalenda Dibwe, diacre Jean Kaloubi et le diacre Feli. Nemolami Feli. Le diacre Jean Kaloubi nous fait une demande. Molami Jean Kaloubi, Nyotulamba Kuchintu. Si quelqu'un aurait pris par mégarde les téléphones qui ne lui appartiennent pas sur le chantier aujourd'hui. Hikalako kuti kampanda kumpuka puka mwangata koko konduka kubyanza ani telefona ujika iwenda mumidimu idienzika kulusekeku. Que cette personne aille remettre ce téléphone au diacre. Muntu wana kuyeye koko angata koko telefone u akamuhesha mulami. S'il vous plaît, vérifiez pour voir si le téléphone que vous avez est le vôtre ou si c'est un téléphone d'autrui. Uwe wabwa kuswa anji tangila koko telefone u jinenda u mwebanyi mwabenda. Le diacre Pierre Mbangila demande deux donneurs du groupe O+. Mulami Pierre Mbangila udukebe koko bantu babidi badeba kufile koko mashi a O+. Chez le frère Albin. Comment est-ce que tu as Albin? Il dit qu'il y a urgence. Udambani, bese koko halukase, baluebu, mbo halukase. Inclinons nos têtes. Merci Père, puisque nous sommes à la fin de notre culte. Que ton ange campe auprès de chacun de nous. Jusqu'à nous ramener dans la paix dans nos foyers. Tout cela pour ta propre gloire. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons dans l'ordre de nos diacres et de nos huissiers.